Les hommes le font d'une façon, les femmes d'une autre. Il va y avoir des disputes. Parce que vous avez besoin d'un certain type d'espace. Ils ont besoin d'un autre type d'espace. Comment gère-t-on cela? Donc c'est quelque chose que vous devez acquérir en vieillissant. Sadhguru, l'ancienne génération et la jeune génération semblent être en désaccord de nos jours. Comment faire en sorte que l'expérience de l'âge et l'énergie de la jeunesse fonctionnent ensemble? Elles ont toujours été en désaccord. Pas seulement de nos jours. L'ancienne génération et la jeune génération. Le vrai problème est celui-ci. La vieille génération pense qu'elle n'est pas vieille. La jeune génération pense être suffisamment vieille. C'est tout le problème. Les vieux ne veulent pas croire qu'ils sont vieux. Les jeunes ne veulent pas croire qu'ils sont jeunes. Ils pensent qu'ils sont assez vieux pour tout. Donc, quelqu'un occupe l'espace que vous voulez occuper. Ce n'est pas que chez les êtres humains. En particulier chez les éléphants. Vous verrez soudain un jeune éléphant mâle partir dans tous les sens, en colère, arrachant tout. Parce qu'il est en conflit avec le gros éléphant mâle du troupeau, il ne cède pas sa place. Alors ce gars essaie de se battre. Il ne peut pas se battre, il n'a pas la force. Donc il s'excite. L'adolescence. Donc c'est pour ça que dans ce pays, on a créé ce qui s'appelle le Varnashrama Dharma. Ça veut dire que de 0 à 12 ans, c'est Balavasta, l'enfance, juste jouer. Le corps et le cerveau doivent grandir. De 12 à 24 ans, c'est Brahmacharya, le moment de vous discipliner, d'apporter de la discipline à votre corps, à votre mental, de développer vos énergies pour être un être puissant et acquérir du savoir. 24 ans, vous pouvez choisir si vous voulez, si vous percez la vie. Tel que vous êtes, vous n'avez pas besoin de tout traverser, vous êtes capable de la percer. Alors vous devenez un sannyasi à 24 ans. Autrement, vous vous mettez en ménage, vous vous mariez. Donc si vous vous mariez à 24 ans, deux cycles solaires et 24 ans, ça veut dire que vous avez 48 ans. Ça veut dire que vos enfants ont entre 18 et 22 ans. Ils sont comme les jeunes taureaux. Ils veulent que vous partiez, mais ils ne peuvent pas le dire. Aujourd'hui, dans le monde moderne, on fait partir les enfants. On ne s'en va pas. On les envoie quelque part, ailleurs. Ces asiles sont généralement appelés universités ou... Mais à cette époque, comme la vie tournait autour de l'agriculture, vous ne pouviez pas partir et quitter la maison, parce que vos terres sont ici, vos animaux sont ici. Vous ne pouvez pas partir ailleurs et faire votre vie. Quelqu'un doit s'en aller. Donc, à 48 ans, le vieux couple, 48 ans, vieux couple, ils entrent à Sannyas et prennent différentes voies. Le mari va dans une institution, la femme va dans une autre. Ils travaillent sur leur sadhana spirituelle. 12 ans. À 60 ans, ils en sortent. Et ils se remarient. De nos jours, ils ne s'en vont pas, ils sont toujours ensemble, et ils se remarient toujours à 60 ans. Non, vous êtes censé partir pendant 12 ans. La première fois que vous vous êtes marié, peut-être que les compulsions du corps, les émotions, quelque chose a pris le dessus. Maintenant, toutes ces choses sont finies. Vous avez fait votre sadhana spirituelle pendant 12 ans. Maintenant, vous vous réunissez d'une toute autre manière. Et vous entrez en vanaprashta. Ça veut dire aller dans la jungle, vivre la dernière partie de votre vie. Donc il y avait de la place, je veux dire. Quand vous vouliez que les parents disparaissent, ils disparaissaient. Maintenant, ils ne s'en vont pas. Ils veulent que vous vous en alliez. Si vous avez trouvé vos jambes,
dans le monde. Vous voulez partir, avant même qu'ils vous laissent partir. Mais si vous n'avez pas trouvé vos jambes, Clash, pour en aussi quelle raison, si vous n'avez pas trouvé vos jambes ou vos ailes, Clash, tous les jours des disputes, entre parents et enfants. Vous devez comprendre cela. Du fait des émotions, ils croient être parents et enfants. Mais en ce qui concerne la vie, c'est juste un jeune taureau et le gros taureau, se disputant l'espace, se disputant la domination. Les hommes le font d'une certaine manière, les femmes d'une autre. Mais le problème fondamental est le même. Vous voulez votre espace. Ils ne libèrent pas l'espace. Des disputes auront lieu. Les enfants qui vivent loin vous aiment toujours. Oui? Oui ou non? Les enfants qui vivent loin de vous, ils vous aiment toujours. C'est comme ça qu'il faut les garder. S'ils étaient avec vous, oh... Pas parce que vous n'êtes pas bien ou eux ne sont pas bien. Parce que vous avez besoin d'un certain type d'espace. Ils ont besoin d'un autre type d'espace. Les deux sont dans le même espace, ça va chauffer. À moins que vous n'ayez des enfants qui sont devenus très vieux quand ils sont jeunes. Vous comprenez? Vous avez réussi à en faire des gens très âgés quand ils sont encore jeunes. Ces gens-là vivront de façon très compatible avec des personnes âgées. Si vous tombez malade, là, il se peut que ce soit OK pour eux, parce que maintenant, les émotions de l'envie de prendre soin, ce genre de choses vont arriver. Mais si vous êtes fort et en bonne santé, et qu'ils sont forts et en bonne santé, oh, vous devez les tenir à l'écart. Oui. Donc, cela n'est pas un nouveau problème. Je suis sûr que, dans la caverne, je parle de l'homme des cavernes. Dans la caverne, il y avait le même problème entre les jeunes et les vieux. Parce que les vieux ne croient pas qu'ils sont devenus vieux. Les jeunes croient qu'ils sont assez vieux pour tout. Donc, il va se passer quelque chose. Comment gère-t-on cela? La façon de gérer ça, c'est que les personnes âgées doivent apprendre à continuellement se retirer. Les jeunes vont continuellement investir cet espace. La seule chose, c'est que les personnes âgées doivent faire preuve d'un certain niveau de sagesse et d'expérience, qui fait que les jeunes sont un peu impressionnés. Si vous ne faites pas ça, alors les jeunes vont dédaigner. Et ils vont devenir rudes de tellement de façons. Donc c'est une chose que vous devez acquérir en vieillissant. Vous avez acquis un certain niveau de sagesse et de perspective sur la vie, que eux doivent encore acquérir. Donc ils vous tiennent en haute estime. Alors, vous pouvez être plus ou moins au même endroit, au premier étage. Mais raisonnablement au même endroit, laissez-leur le rez-de-chaussée, et au premier étage, ils vous tiennent en haute estime. Ok. S'ils n'ont rien à tenir en haute estime, si vous vous êtes exposé, avec vos problèmes et vos bêtises et tout, alors, le mieux, c'est Vanaprashtha. Je sais que ce n'est pas la réponse que vous cherchez. Mais que faire? Je ne suis pas un politicien qui va dire ce qu'il faut. Je dis ce qui est vrai.